Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans, je suis étudiante à Skema Business School. Cette année, je suis en Master 2 Ressources humaines internationales et Performance Management. Et j'ai fait un Master 1 plus en RSE, puis un échange en psychologie du travail en Pologne. Donc cette année, je suis sur le campus de Paris. Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'on va commencer par les racines des ressources humaines avec une approche très fondamentale et structurée, mais on va aller beaucoup plus loin en se rapprochant des enjeux qui sont éthiques, écologiques, managériales et aussi technologiques. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir avoir une connaissance approfondie de la base, mais aussi pouvoir réfléchir plus loin, aller plus loin que les RH traditionnels. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce programme, c'est qu'on a vraiment une approche holistique, donc c'est vraiment multidimensionnel, avec tous les enjeux qui s'opèrent en ce moment dans un monde complexe et en transformation et en transition. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans ma classe, on est au moins 10 nationalités, et donc on a beaucoup d'échanges interculturels, et c'est très important justement pour développer son intelligence sociale, très important dans les ressources humaines. Donc au niveau de la composition des cours et des rendus, c'est très varié. On a des séminaires, on a des projets en groupe, on a eu même un échange avec une école en Allemagne. On a aussi des projets aussi individuels. On peut vraiment y trouver son compte. Et nos profs sont vraiment super intéressants. C'est des professionnels, aussi des chercheurs. Donc c'est vraiment très stimulant intellectuellement. Alors actuellement, on est sur un projet avec des étudiants en ressources humaines aussi en Allemagne. On doit développer une politique ressources humaines dans une entreprise qui opérerait en France, en Allemagne et en Chine en répondant à des enjeux majeurs de ressources humaines actuelles. Donc pour mes matières préférées, j'ai Green Human Resources. Donc c'est une matière qui fait la combinaison entre ressources humaines et durabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde de transition, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et je pense que les ressources humaines, mais comme toutes les parties prenantes de l'entreprise, ont un rôle à jouer dans des défis majeurs. Et la seconde matière que j'ai vraiment adorée, alors c'est pas du tout ma vocation, mais je trouvais ça vraiment très important et intéressant de l'avoir dans leur programme, c'est l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. Ce qui m'a plu, c'est que avant, j'avais un petit peu peur de l'intelligence artificielle, mais je me rends compte qu'on ne va pas y échapper. Donc plutôt que de la fuir, il faut la comprendre et pouvoir la dompter. Grâce à ce cours, j'ai plus de connaissances sur l'intelligence artificielle et ça me permet d'avoir une vision plus nuancée sur le sujet. La vie associative sur le campus est vraiment super diversifiée. Sport, engagement politique, engagement humanitaire, activités, loisirs, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est hyper simple d'accès si on veut s'informer par rapport à quoi que ce soit. C'est hyper simple. Grâce à Skema, j'ai pu faire un échange universitaire à Cracovie, en Pologne. Je me suis spécialisée en psychologie du travail et comportement organisationnel. Ce sont des aspects intégrants des questions de ressources humaines et de RSE. Donc j'étais vraiment super contente, j'ai adoré. Ce qui était incroyable, c'était vraiment de rencontrer des gens du monde entier. Skema, pour ça, c'est vraiment incroyable. On peut vraiment façonner son programme à notre guise. On peut décider de partir un peu où on veut dans le monde. Donc c'est vraiment incroyable. Mes deux plus grosses expériences professionnelles, je les ai fait lors de mon année de césure à Skema. J'ai fait un an de stage dans un cabinet de conseil qui s'appelle Reset the World. J'étais consultante et facilitatrice en transition écologique et sociale. Et là, je fais mon stage de fin d'études chez Hendrix en tant que consultante RSE. Au niveau de mes missions, je vais devoir accompagner des organisations dans la transformation écologique, sociale et sociétale. Et c'est vrai que je suis très très heureuse d'avoir pu me spécialiser en RH parce que pour moi, les RH sont vraiment au courant de la santé de l'entreprise et doivent aller main dans la main avec la RSE. Et c'est pour ça que avoir le matching parfait entre les deux, ça permet d'avoir une vision pragmatique et concrète de comment faire bouger les choses.